À la vie privée d'un athlète ça se respecte. et oh le jingle qui va tellement bien. Est-ce que tu viens de dire mon ami Alex Oh là 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 mais oui, oh mais oui on ne s'arrête plus. On ne s'arrête plus. Ça clignote en haut. Regardez-moi ça. Euh, le débris France 33, Angleterre 31. Désolé, bon match ami anglais. Mais en effet c'était un super match. On démarre souvent par notre sentiment et votre sentiment vous le chatte. Euh, comment vous avez vécu ce match euh, Comment tu ressors de ce match Premier sentiment mon Alex. Ouf, <laughs> c'est la première chose, honnêtement, euh... pas euphorique. Enfin, je suis, euh, je suis ravi que ça passe, tu vois, mais pas euphorique non plus à me dire ah, on est les meilleurs et tout, tu vois. Mais euh, alors que ouais, Le sentiment, c'est du soulagement. Euh, c'est content aussi pour ces joueurs qui ont mis des choses en place, qui se sont battus parce que, parce qu'on aura le temps d'en discuter. c'est un match quand même très particulier. Et je pense qu'il fallait avoir un mental assez énorme, tu vois. Et ça, ça m'a ça fait plaisir. En fait, j'étais fier, de, 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 j fier tu vois, de, de faire partie de ce truc. Quoi. Bah, le rugby, c'est le caractère. Il en faut. Ouais. Et, ouais. Euh, et quand, euh, quand tu arrives à avoir cette force collective, parce que le match, il est bien construit, hein, des deux équipes. Hein. Je trouve que pour avoir un beau match, mine de rien, il faut deux belles équipes. Il y a eu deux, euh, deux styles de jeu. Il y, deux... il y a eu une tension dans ce match qui était, euh, qui était assez magnifique. Euh, comme d'habitude, euh, l'équipe de France peut largement, largement rentrer à la mi-temps avec beaucoup plus de points d'avance. C'est un grand classique de ceci nation. Euh, Je suis assez d'accord dans le chat, j'ai vu, euh, comme quoi le match était un joli résumé de notre tournoi. Euh, qui au final, euh, on, on, on est dans le dur. Et malgré tout, ça se termine bien, quoi. Et avec des petits moments de chatte au milieu, tu vois, euh, la touche ratée, euh, la reprise de Ramos qui est très bien joué, mais qui est un peu de la chatte parce que ça tombe dans les mains de de Peno, etc. Voilà, il y a des il y a des trucs qui, C ouais, ça symbolise pas mal euh, pas mal euh, ces bleus. Et en fait, je trouve que vu qu'on a eu un tournoi difficile, eh ben, peut-être que ça nous emmène vers autre chose vraiment. J'ai l'impression qu'on a on a crevé l'abcès sur ce tournoi, tu vois. Et, et même j'irais plus loin que les joueurs ont crevé l'abcès. Avec le sélectionneur, tu vois. Oula, oula, pas, pas d'accord. Non, non, not agree to be disagree gris. Euh, non, mais alors, euh, moi je fais pas, Moi, je, franchement, je pense que rugbystiquement, on n'a rien appris de ce tournoi. Oh. Euh, on, on, on enfin, on a mis aller. On a mis, allez, euh, on a mis euh, une option sur. Il faut avoir un peu plus le ballon et c'est comme ça qu'on va jouer. Après, en termes de caractère et euh, mentalement, je pense que on est parti, on est, on est en train d'effacer le traumatisme de la Coupe du Monde. On a accepté. On a d'abord été encore malade, puis ensuite on a accepté d'être malade. On a accepté de dire que ça n'allait pas. Euh, Fabien Gatti a quand même changé sa communication très clairement euh, après l'Italie, parce que juste avant c'était parfait. Puis ensuite ça allait ça, ça le, pas. C'est le le mal, non, le mal, le mal de va pas. notre vie. Voilà, contrôler ça. ça, les ça va pas. Et puis et puis ensuite. Eh bien, il y a, alors, pour paraphraser, utiliser les mots de Fabien Galtier, il y a la résilience, c'est-à-dire accepter de, 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 de ne pas aller bien, mais prendre le chemin de la guérison. Et je pense qu'on est sur ce chemin-là, on en est encore au début, je pense, honnêtement. Je vois trop de gens qui nous disent euh, ça y est, on est guéri, ça va mieux, c'est bon, c'est fait. Non, il y a encore trop de choses qui montrent que ça va pas, mais. On est sur la voie de la guérison et c'est un énorme step quand même parce qu'on arrive dans ce tournoi de destination en se disant on est guéri alors qu'on ne l'était pas et là je pense que on quitte ce tournoi de destination en se disant on va vers la guérison et ça ira mieux tu vois ça ira mieux moi je, je pense que, que là quand même mentalement je pense c'est super positif rugbystiquement entre avant le tournoi et aujourd'hui j'ai moins de certitude avant le tournoi que maintenant mais parce que avant le tournoi on savait ce qu'on allait ce que Fabien Geltel nous proposait à la fin de ce tournoi, je ne sais pas ce que Fabien gatier veut, veut mettre en place sur les trois prochaines années. Ah ouais moi, je suis, moi, au contraire, je suis assez... Bah, euh... bah, je trouve que bah, on, on suit Je ne sais pas si, je sais pas si la possession, c'est maintenant. C'est juste parce que maintenant Ou est c'est aussi une globale, tu vois On suit le mouvement, tu sais, euh, c'est des cycles de manière de jouer au rugby, je pense. Et on suit, euh, on suit ce que fait la meilleure équipe du monde. Et la meilleure équipe du monde, bah, c'est l'Irlande. Et du coup, comment ils jouent bah, Ils ont des systèmes extrêmement euh, bien codifiés. Euh, euh, des, des enchaînements, tenir le ballon, avoir des soutiens très proches, euh, avoir ces de, leurs deux, leur deux blocs de trois avant qui, euh, qui vraiment ne bougent pas du centre du terrain, avec seulement deux flanqueurs ou le flanqueur et, et le talon qui ont le droit d'être un petit peu des électrons libres sur, le, sur les ailes, mais et encore. Euh, mais du coup, si je te suis, en 2019, l'Afrique du Sud est championne du monde en cassant en des bouches. Voilà, en cassant des bouches, on se dit on va casser des bouches. En jouant des possessions, exact. Exact. On arrive euh, en phase finale de Coupe du Monde face enfin, à une équipe qui se met un petit peu plus à porter la balle. Euh, et du coup, bah, on se met aussi un peu plus à porter la balle et ça nous tombe dessus. Bon, ça se joue à rien. Et là, on voit que l'Irlande domine le rugby européen, mais pas non plus surdomine. Et on en parlera de l'Irlande. Euh, parce que euh, autant nous on est allé comme ça, je pense que l'Irlande descendait, honnêtement. Ah, euh, ouais. euh, et l'Irlande, euh, qui est une équipe de possession, du coup, on va aller vers ça. Moi je, moi, moi, je suis embêté par l'idée que l'équipe de France copie les autres. Moi, je, quel est l'ADN du rugby français Tu vois, ça a toujours été une grande défense, ça a toujours été une férocité, et ça a toujours été des coups d'éclat. Voilà. Des euh, ah, coups d'éclat, tu les as eu. Tu les as eu. Voilà. Après, après, voilà. tu peux pas genre vouloir, vouloir qu'on joue au ballon parce que c'est ce que tu voulais. Et quand on le fait, tu vois, oui. dire, je sais pas où on va, tu vois. Ah non, non je, je, moi, je sais, moi je sais où j'aimerais bien qu'on aille, c'est vers la possession, bien sûr. Mais là où je te dis que je ne suis pas sûr où on va, c'est parce que je, je ne sais pas si ce qu'on a vu sur les deux derniers matchs, c'était parce que on avait des joueurs euh, disponibles qui étaient des joueurs de ballon, et notamment ces jeunes, euh, et que du coup, bah, on a pratiqué ce jeu-là, ou est-ce que c'est la réflexion globale de Fabien Galtier qui a changé en milieu de tournoi où il s'est dit, ok, c'est bon, c'est mort, la dépossession, c'est fini on ouvre un nouveau chapitre, tu vois. Ça, je ne suis pas certain que ce chapitre-là de la possession ait été ouvert. Mais moi, je pense vraiment... Il a eu la quatrième de couverture, mais on n'a pas encore ouvert le livre, tu vois, je crois. Bon, mon avis, c'est que possession des possessions, c'est des termes qui sont trop, trop utilisés pour ce que c'est, parce que pendant un match, tu joues... Euh... En fait, chez toi, tu joues pas, c'est tout, mais... Euh... Mais est-ce que tu as, est as, as, as des systèmes de, de relance de chez toi C'est ça, tu joues, tu alternes avec les deux. Bah, on bah tu oui, peux la tu preuve, peux on on fait, fait tu un peux... contre en touche, on remonte, on met un essai de 80 mètres. Mais là, ça, en début de tournoi, jamais, jamais tu le vois. Mais bien sûr jamais. que si, mais si, mais si on l'a fait. Ah non, face à l'Irlande, on n'aurait euh, jamais tenté. face à l'Irlande, on n'avait pas une ça. touche, donc euh, forcément, on n'avait pas ce problème. Mais, euh, voilà. mais bien mais sûr que si. Si on avait contre un ballon en touche, on aurait monté 80 mètres, toi. Bah oui, c'est un principe de base, on aurait carté le ballon. Par contre, on aurait fait tomber la balle contre l'Irlande parce qu'on n'y arrivait pas. Je pense qu'on aurait envoyé un énorme coup de pompe. Mais Mec, cet essai, cet essai il a un... cet essai là. Je pense, je pense, pas, je pense pas. Et en fait, ce qui est trop bien dans cet essai, je pense que tu sais ce qu'on aurait fait. On aurait fait une erreur, parce que sur cet essai, ce qui fonctionne bien, c'est que là, donc on vient de contrer François Cross, est un maître du monde. Euh, le ballon, Nolan Le Garec, on voit directement à Aldrit. Et là où on est trop fort, et là où je pense qu'on a progressé, c'est que Aldrit fait une passe à euh, Ramos. Ramos, il fait quoi Il fait. Une... Attendez, attends. T'as que le ballon récupéré. Ah putain, elles sont pas dans l'ordre, ces slides, je vais péter un boulard. Ah C'est énervant ça, hein Et pardon, s'il vous plaît. Et pardon. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'on aura envoyé une sautée à la con. Et là, en fait, tout le monde touche le ballon. Tu vois, deux porteurs, il fait le dernier move, mais comme ça, on fixe tout le monde. Parce que si, si, si deux porteurs touchent pas le ballon, si on est tenté de faire des sautés, je suis persuadé que contre l'Irlande, on a tellement mal au crâne qu'on fait une sautée. Je suis persuadé qu'on qu fait pas une sautée. Parce parce qu'on aurait sauté Danti. Peut-être. Franchement, peut-être. Mais là, tout le monde touche la balle, ce qui permet de fixer tout le monde, de temporiser Oli euh, Laurence, de temporiser... Regarde-moi ça, il est emmerdé Slade, il a envie d'aller direct sur Fiku, mais il ne peut pas. Et s'il la saute, c'est terminé. Et je pense que c'est vraiment la différence sur cet essai. Elle est là. Elle est d'avoir joué euh, juste, fait des passe-ballons, mais pas des passe-ballons inutiles, du passe-ballon qui supprime les derniers défenseurs pour ensuite mettre Fiku. Qui, euh, qui décroche la caravane et bam 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 ça accélère. Et puis après, bah, petit plaisir parce que euh, c'est hyper bien joué de la part de Léo Barré. Euh, je trouve que c'est. Je comprends l'intention de Marcus Smith, mais je trouve qu'il s'offre un petit peu trop. C'est-à-dire que pourquoi euh, Comment on détermine à quel moment on fait une fin de passe et à quel moment on fait une passe Et bien bah, on regarde les hanches du, euh, du défenseur. Si le défenseur euh, a ses hanches droit vers vous. Faites la passe. Si le défenseur est légèrement décalé, faites la fin de passe parce qu'il est déjà parti en fait. Et là, il n'est pas légèrement décalé, il est totalement décalé. Alors son intérêt, lui, il veut le faire rentrer parce qu'il se dit que la défense à l'intérieur va revenir. Sauf que bah, Barré, il a mis les cannes. Et donc la défense à l'intérieur met beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Donc moi, je pense qu'il devrait être... Si on pinaille, il devrait, être beau... il devrait être dans la même position, mais plus à l'intérieur du joueur pour vraiment lui... lui faire faire une course où il va perdre du terrain. Et pour moi, Marcus Smith, là, est mal positionné et défend mal l'action. Euh, et tant mieux pour nous. Et elle est très bien jouée, très bien analysée par Barré. Cette fin de passe, elle est délicieuse. Le jeu sans ballon, parce qu'à un moment donné, bon voilà, euh, Louis Bielberry, il n'a pas tout réussi dans le match. Mais ça, si Louis Bielberry est, est pas ici, bah, c'est terminé. Donc le jeu sans ballon, c'est aussi important. Il euh, n'y a pas que les mecs qui traversent le terrain avec le ballon qui comptent. Il y a aussi les mecs qui autour végètent Et puis à la fin, bah, euh, ce qu'on peut voir sur, sur la grande slide, c'est qu'on voit aussi que, euh, il est là, euh, Nolan, euh, il, directement. Euh, Fikou a pas à peine le ballon, il a déjà traversé en fait. Il a déjà traversé. Bon, bah ça c'est le grand classique, mais ça fait toujours du bien. Donc, cet essai-là, moi je pense que très sincèrement, mais... contre l'Irlande, principe de jeu, ballon de récupération, tes cartes, mais, tu... mais je suis sûr que tu vas trop vite au bout. Parce qu'on a vu les Français être beaucoup plus dans la précipitation au début de tournoi et beaucoup plus serein sur ce, sur ce tournoi-là. Pas enfin, sur cette mais fin de tournoi, a... sur ce match-là en tout cas. Et Je reviens sur ce que tu dis sur la, sur la possession. Tu dis la possession, elle n'est elle pas, nécessaire... pas forcément un bon marqueur. Et, euh, et je rebondis là-dessus en disant que oui, j'entends l'idée. Euh, je, parlons alors de ballons joués, du nombre de ballons joués. Parce que la possession, c'est une, une question de temps. Une, la valeur de la possession, elle est calculée dans les statistiques par le temps de possession. Euh, mais parlons de, de, du nombre de ballons joués. L'équipe de France a, fait, a eu 310 ballons, euh, a utilisé 310 fois le ballon dans, dans la partie. Comment ça se calcule tu comptes le nombre de passes, tu comptes le nombre de percussions et tu comptes le nombre de coups de pied et ça veut dire qu'à chaque fois le ballon, que le ballon a changé euh, de, euh, de, de, de possesseur, je, 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 je permets moi en français mmh. et, euh, et, et à chaque fois qu'il y a eu une action différente sur ce ballon. Donc on a eu 310 ballons. Les Anglais ont eu 183 ballons. Donc il y, y a quand même 120 ballons d'écart d'utilisation ouais. pour 59-41 de, de possession. Et ce qui est intéressant, c'est que les Bleus eh bien, on, euh, on joue au pied à 11%. 11% des ballons ont été joués au pied, alors que les Anglais, c'est 19% des ballons qui ont été joués au pied. Donc l'utilisation elle est quand même très très différente entre la France et l'Angleterre. On pratique pas le même jeu. Euh, on, on pratique pas le même jeu. En... En... Mais en fait, à chaque fois cette stat là, il faut la mettre euh, en rapport avec l'endroit sur le terrain où es. C'est ça sûr. le truc. Mais y a... oui, mais là on est dans sur un match qui est, qui est quand même intéressant. C'est du 52-48 en occupation. Donc on a quand même euh, on n'a pas non plus euh, passé toute notre vie euh, chez eux, ils n'ont pas passé toute leur vie chez nous non plus. Euh, voilà. Non, on non, c'est sûr, c'est sûr. Est sûr. On, est, on est plutôt euh, centre du terrain pour les deux équipes, en zone de construction. Et, et, et ce qui est intéressant, c'est que l'équipe de France est l'équipe qui joue les ballons le plus vite dans le tournoi de destination, avec les sorties de regroupement les plus rapides, alors que les Anglais, ce sont les sorties de regroupement les plus long, les plus lentes. Et voilà, mec, Donc, on, on sait pas parler, a... mais j'ai la stade, c'est fou! Oh là 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 là, bravo, mec! Est, on est, on est, on est, on, on, je crois que plus de 50% des ballons <coughs> sont en trois de 3 secondes. Il y a 46 sur ce match, en tout cas. 46 sur ce match. Au global, on est, on est aux alentours de 50%, ce qui est, ce qui est quand même euh, un indicateur très intéressant. Les Écossais faisaient ça il y a trois, quatre ans. Les Anglais ont même fait ça chez Eddie Jones à l'époque quand ils avaient Harry Randall, euh, etc. Étaient spécialisés là-dedans. Feu Harry euh, Randall, il y nous manque. Voilà, euh, Harry Randall, il euh, y, y a eu ça. À Exeter, ils ont fait euh, des années où ils tournaient entre 2,4 et 2,6 euh, secondes par sortie, ce qui était monumental. Euh, donc, ce qui veut dire que tu dois éclaircir toutes les zones de rock très rapidement et ainsi de suite. Pourquoi on fait ça Parce qu'on a envie de jouer le plus de ballons possible pour avoir le plus de, 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 de joueurs qui sont capables de faire des choses avec ce ballon. Et face à l'Irlande, c'est tout l'inverse. On joue le moins de ballons possible. Et ça, c'est intéressant. Et c'est passé quelque chose entre l'Irlande. Alors Soit, soit Galti a pris confiance dans ses joueurs petit à petit, soit les joueurs avaient trop peur de, 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 de prendre des initiatives parce qu'ils étaient encore tourmentés par cette Coupe du Monde. Et je pense que d'ailleurs le match face à l'Irlande n'a pas vraiment aidé. Mais progressivement, les joueurs touchent de plus en plus de ballons. Par Mais exemple, face à l'Italie, euh, face, face au Pays de Galles, Ramos, il a fait 36 passes. Ouais, ouais, mais... Je sais pas si vous vous rendez compte. c'était ouais, mais... jamais vu oui, en mais... un an. Mais on a changé de... contre le pays de Galles. On avait un seul euh, organisateur derrière. Alors que, pendant... Alors que avant l'Irlande, etc., on, on jouait avec, Jean, avec avant, le Ficou. 10, le 15, le 12. On, on, on avait ouais. beaucoup plus enfin, de mecs 13, qui se proposaient. Le 13, en l'occurrence, Fikou, ouais, Tu as raison. Donc en gros, c'était euh, fiku qui jouait des fois 10, que c'était euh, des fois donc, du coup, euh, Ramos en position de 15 ou euh, Jalibert ou Ntamak en position de 10. Là, vraiment, c'était un peu à l'irlandaise un seul meneur d'hommes, un seul maître d'orchestre. Et du coup, moi, c'est intéressant parce que du coup, c'est un changement d'attaque offensif et c'est peut-être la patarelleaz pour le coup, parce que du coup, on a moins chacun son cette rôle cette présence avec, avec euh, double double son de poste. jeu. Moi, sur ce match-là, bizarrement, Fikou, quand il est moins utilisé en tant que deuxième ouvreur ou je sais pas quoi, et ben bah, il et fait des trous sur les extérieurs. Et ben bah, bizarrement, il a un peu plus d'espace pour jouer. Bah ouais, parce qu'en fait, si tu touches 25 ballons dans le match ou euh, 15 ballons dans le match, parce que 25 c'est un peu abusé, mmh. si tu touches 15 ballons dans le match et que tu distribues à chaque fois. Qu'est-ce qui se passe bah, Les mecs, ils veulent couper la connexion autour de toi. Par contre, si tu touches huit ballons, mais c'en est 6 bons, et c'est des six ballons d'attaque, et eh bah tu es beaucoup plus décisif et bizarrement on considère que tu es un meilleur joueur. Mais pour répondre, pour répondre à, ton poste. à ton truc sur l'Irlande, je pense que sur, sur l'analyse, je pense qu'il y a deux choses. Il y a un, le, le physique global des bleus, où tu sentais que dans le mouvement général, on l'avait vu, hein, contre l'Écosse et tout, euh, deuxième, troisième temps de jeu, bah il ne sait pas où se mettre. Euh, on jouait beaucoup sur le retour. On avait t'as on voit plus les bleus qui jouent oui, énormément sûr. dans le retour, énormément dans le retour. Euh, on ouais. les voit plus. Hein. Donc euh, du coup, c'est déjà, déjà un, choix, euh, un choix clair de jouer. Euh, pas large. On, large. A moins peur des on, a moins, on a moins peur de la euh, physiquement, effectivement. Et je pense que c'est parce que physiquement, cas. on est plus on en capacité assez. de se déplacer. Ouais. Et euh... et mais ça vient de quoi aussi C'est la jeunesse. Hein. Et enfin, je suis désolé. Plus t'es jeune, plus t'es généralement plus tu cours. Hein, Alors euh... oui, peut-être. Mais moi je dirais aussi, ça vient, ça vient d'un autre élément, c'est qu'on est dominant à l'impact et même contre l'Angleterre, qui avait impressionné son monde contre, euh, contre l'Irlande, on domine, les impacts. On, on, vraiment clairement on, on avance on avance sur toutes nos possessions et là euh, et là on, autant euh, autant il a fait un premier match euh, plus que correct l'ami mi a mis mis fou autant là il nous a mis dans une avancée voilà. constante là, euh, là, il était monumental j'étais euh, surpris qu'il sortit la... si tôt ouais, ouais je suis assez d'accord la... mais Tao aussi nous a mis dans cette avancée là on a eu vraiment un enchaînement de gros porteurs euh, antonio ça avance euh, Baye ça avance euh, l'ami Marchand bon il est moins porteur de ballon tu vois moins utilisé comme ça mais bon euh, bon, je l'ai cité, mais en fait, bon, lui, j'ai pas de souvenir d'avancer plus que ça. Mais, mais à fou, ça avance. Euh, Georges-Henri Colombe, ça avance. Seb Tao, ça avance. Romain Tao, ça avance. Quant à tous ces mecs-là, on a dominé physiquement une, une équipe d'Angleterre qui, je pense, on a eu de la chance, qui joue 6 euh, jours ou 7 jours avant l'Irlande, parce qu'il ouais. bah, y a des séquelles, quoi qu'il. Ouais, 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 je ouais, pense ouais, que ça ouais, joue, ouais, ouais. sincèrement. C'est pas une excuse, première quoi première que ce soit, c'est un C'est un, une idée, quoi. Ben il rentre pas dans son match. Alors, par contre, après, quand il est rentré dans son match, euh, ouf. On, il faudra qu'on parle de ce joueur aussi, mais on en parlera. Je, je, je... C'est intéressant ce que tu dis. Hein. Sur euh, tiens, j'ai fait une petite stat. Euh, alors, c'est pas nécessairement sur le sur les impacts, mais même si ça compte, j'ai compté tous les ballons joués à la main par nation depuis le début du tournoi et mmh. le nombre de défenseurs battus par utilisation. Donc du coup. Euh, par exemple, euh, pour vous donner un ordre d'idée, l'Irlande a joué 685 ballons à la main depuis le début du tournoi et a battu 128 défenseurs. C'est-à-dire que, euh, eh bien, 18,6% des, 18, des ballons joués ont permis de battre un défenseur. La France, c'est 22,5. Donc, c'est quand même assez élevé. Mm. L'Irlande, euh, l'Irlande, je le disais, c'est 18,6. L'Angleterre, c'est 23,6. Donc, c'est un peu mieux que nous. Euh, mais notamment parce que bah, tu as, as Ben Hurl qui a été monumental dans, dans cette stat-là. Et puis là, tu bah, as, as un petit gap quand même qui est en train de se créer. Donc tu as l'Écosse à 18,7. Donc France-Angleterre et à hein, 22,5 euh, et 23,5. Euh, L'Écosse à un 18, ballon sur 8, 5. Un, ensuite, ballon sur 5. un ballon sur 5, tu bats un défenseur. Mm. Euh, ensuite, <laughs> tu as l'Écosse à 18,7. Tu as l'Italie à 17,1. Et tu as le Pays de Galles, 15,5. Il ouais, y a quasiment 10%, 10, 10, 10 de, de, de moins. T'imagines Et si tu additionnes ça sur tout le tournoi, c'est monumental la différence. C'est-à-dire que parfois, sur. sur et si sur, tu et sur, si mets pas, ça sur. sur joués, peu de ballons joués et... en plus Moins de ballons joués. Exactement. Hein, ben, ah, es, là, c'est terrible. Là, t'es inefficace. Et on l'a vu, hein, le, note, Pays le Pays de Galles. Euh, euh, le Pays de Galles a 15,5% alors que la France est à 22,5%. C'est-à-dire que t'as 7% d'écart. C'est énorme. C'est énorme. Si je peux me permettre, dans ta statistique, est-ce mmh. qu'en France, nous, on n'a pas un mec. Qui nous fausse la stat Si. Alors oui, c'est bah, si 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 c'est les travers de. C'est notre ami le cheval, euh, Damien Penot, oui. parce que Damien Penot au 30, 30e ou 30e minute de jeu, il bat 7 défenseurs, gain terrain 2 mètres. <laughs> mais il bat 7 défenseurs. Un problème. Hein. Il bat 7 non, défenseurs, mais, c mais en latéral. C'est la, le mec. C est, c est, moi je suis désolé. C'est la maîtresse des statistiques. Euh, je je l'aime, Penot. Mais pour moi c'est pas positif. Hein. Pour moi, le, le, la valeur, la valeur d'une action, c'est combien de mètres tu gagnes. Et est-ce que ton ballon est libre derrière voilà. Est-ce que le ballon est, que est que mort ou une pas Tu as idée du nombre de ballons qu'a joué Ben Earl dans le tournoi non. non. Non, aucune idée. 73 à la main. Il joue numéro 73 10? percussions. -dire que pas, je compte pas les passes. Hein. C'est ouais, 73 okay. ah ouais, ballons où il est, allé dans la, il est allé taper dans la défense. C'est monumental. C'est 12 par match. quoi. En 5 matchs 12 <laughs> par match <laughs> 12 par match c'est le, ouais, le, le fer de lance quoi est... après est-ce qu'ils ont d'autres gros, gros porteurs tu vois je suis désolé mais euh, euh... ah bah non euh, non ils en ont Underhill Under Under c'est pas, un pas un porteur de balle Chessum c'est un super joueur mais dans, dans le ferraillage. le euh... n'est plus, plus servi dans ce, dans ce rôle là itogen n'est pas un porteur destructeur bon il bah, y a Genge quoi mais Genge bon c'est plus tu vois et non, après mais il l'a été quand même hein. ouais 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 il y a longtemps Arrête si il traverse, il fait une percée, tu dis que c'est un génie penaud. Euh, bah non, non, j'ai le même avis euh, Z. Mais euh, ça doit faire pas longtemps que tu étais là. Hein, mais euh, moi, ça fait cinq ans que je dis la même chose. Si t'as pas un gain de terrain, mais je le kiffe. Hein. Euh, la preuve, à un moment donné, il perce. À un moment donné, il perce et c'est énorme parce que euh, parce que c'est trop bien euh, le fait qu'il perce, tu vois. Euh, tac, tac, tac. Attends, je vais te trouver un truc. J'ai trouvé un truc parce que j'aime bien. J'aime bien. Euh... Non, non, je te dis juste que s'il y a pas de gain de terrain, ça sert à rien en fait. Tu vois, je suis désolé. hein. Là, il perce, hein. c'est énorme, hein. c'est énorme qu'il perce, hein. 20, 24e minute de jeu. Il perce plein fer, c'est exceptionnel. Et bah tout le truc exceptionnel qu'il vient de faire est annulé à partir du moment où il choisit de ne pas porter plus loin le ballon, ne pas fixer la défense jusqu'au bout, il a une vitesse monumentale. Pourquoi il décide aux 40 mètres d'envoyer un coup de chausson Et je vais te dire, c'est pas mal joué, c'est un choix possible. Je pense qu'il doit porter plus, parce qu'il est plein de vitesse, que Marcus Smith, c'est quand même un peintre de l'espace au niveau de la défense. C'est proportionnellement... Euh, <laughs> il est aussi fort offensivement que nul défensivement. Donc, viens le chercher. Viens le chercher. Travaille-le. Et son coup de pied, s'il le met rasant 15 mètres, génial. Malheureusement, il est mal exécuté. Et il va plein axe. Et donc, du coup, Louis Bialbiari, il a 2 mètres de marqué. Mais il ne peut pas marquer. Et ces 2 mètres, bah, ils sont peut-être ici, en fait. Ils sont peut-être là. Et donc, du coup... Moi, j'appelle ça des, des, des actions euh, euh, nulles. Parce qu'en gros, il y a une action positive suivie d'une action négative. On est, on est à zéro. Alors, dans les faits, on a gagné du terrain, il y avait une mêlée, etc. Et tout, c'est énorme. On a mis la pression et tout. Je dis juste que euh, lui, individuellement, il fait un excellent, un excellent choix, un truc, un truc énorme, suivi d'un truc moins bien. Et en fait, je trouvais que euh, Penaud, pendant la Coupe du Monde, avant la Coupe du Monde, il faisait des petites erreurs, mais il est. Mais... Mais il avait toujours, je ne sais pas, comme on peut en basket, une note positive à la fin. Il bonifiait quand même. Genre, quand on additionnait toutes ces actions, c'était positif. Sur ce tournant là bah ben, j'ai pas trouvé. Après, est-ce que ça veut dire que Penoé est nul Non. <laughs> non. Non, mais par contre, du coup, là je viens de refaire une stat vite fait. J'ai compté le nombre de mètres parcourus ballon en main. Tu vois donc, euh, sur la totalité du tournoi, l'Irlande, c'est 2217 mètres parcourus ballon en main sur 685 fois où un joueur avait le ballon en main et avançait avec. Donc, ce qui nous permet d'avoir la, la, la statistique de combien un joueur parcourt de mètres par prise de balle. Et alors, c'est intéressant du côté de l'Irlande. En fait, vous allez voir, est, on est tous à peu près à la même enseigne. L'Irlande, c'est 3,2 mètres parcourus par prise de balle. Donc c'est euh, une valeur, voilà, 3,2 m, 3,20 m euh, si vous préférez ainsi. Euh, L'Écosse par exemple, l'Écosse a fait 2096 mètres parcourus ballon en main. En combien de, de ballons En 604 ballons, ce qui fait 3,47. Donc l'Écosse avance un peu plus pour chaque prise de balle que les Irlandais. La France, 2074 m parcourus ballon en main en 585 ballons, ce qui nous fait 3,54 donc on est déjà on avance 30 cm de plus que les Irlandais pas beaucoup mais quand tu additionnes au nombre de, de prises de balle, c'est quand même intéressant les Anglais par exemple alors là moi c'est un peu fidèle à, finalement c'est assez fidèle à ce que j'ai vu dans ce tournoi les Irlandais ils sont à 3,83 mètres parcourus ballon en main par prise de balle les Gallois sont à 2,6 donc ils, ils font un mètre de moins sur chaque prise de balle par rapport aux Anglais ah, c'est énorme disent, moi, mais... et les Italiens sont à 3,3 Oh, les, les, les gallois euh... en fait les gallois sont complètement à la rue les gallois c'est un tournoi ils sont complètement à la rue bah, ils dominent rien aucune collision c'est contre nous vraiment ils mettent des essais parce qu'on parce qu est gentil quoi vraiment c'était noël hein. mais euh... les gallois c'est un tournoi euh... parce que si nous des fois bon, voilà, on a une certaine ambition mais là les gallois là, euh... là la reconstruction euh, je suis pas surpris que Gatland il ait proposé sa démission parce que là, euh, si même lui il trouve pas de soluce, trouve pas de joueur. J'ai euh... pas compris pourquoi Tomkins a été sorti. Euh, une histoire d'entraînement, je crois. Hein. Une histoire d'entraînement, oui, mec. Enfin, oui. Donc bon, il y a des, sûrement eu des soucis parce que c'était le meilleur Gallois de, depuis le début du tournoi. Mm. Euh... <laughs> mais en fait, ils ont, ils ont, honnêtement, physiquement, ils ont plus, de, ils ont plus de grands joueurs de haut niveau devant. Ah, ils ont Jack Morgan, mais il était pas là. Jack quoi. Morgan et David Jenkins, voilà. Ouais, Ruffle peut, mais... Pff. Si, Ruffle, ouais, c'est un vois, grand joueur à terme mais... Mais oui, oui, il y a, tu y a, y a, y a plus Tu y a perds p... Faletao, tu perds... Enfin, euh, tous ces joueurs-là, là... Tipo Rich. En troisième ligne, en deuxième ligne, Tipo Rich. Euh... Enfin, ah, tu perds es... une floupée, quand même. Tu perds ton capitaine emblématique, le Centurion et tout. Euh, c'est Wing Jones, forcément. forcément. Exact, Josh Navidi, ouais. Non, mais... Non, ah, c'est dur, après ça va remonter, hein, mais... Euh... Mais euh, bon, c'est... T'imagines, t'es un match un dimanche, tu vois tu vois, vois l'équipe de ton coin où tu vois tes potes jouer, et à chaque prise de balle, tes potes ils avancent un mètre de plus que les adversaires. Tu te dis bah c'est bon, ouais, tu mais... gagner le match. Mais ah, est-ce est que c'est après, est après il faut conclure les essais tu vois. et je trouve qu'en fait dans en fait bizarrement dans Six nations, euh... je trouve qu'il y a eu beaucoup d'équipes qui n'ont qu qu pas réussi à à repartir avec des points avec leur euh, à, euh, qui marquent leur domination. Euh, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. En gros, je trouve qu'il y a eu beaucoup. Tu sais, euh, vu qu'on est sur un jeu un peu plus de, de séquences, on va dire pas pas forcément de possession et tout, ça me ça me gave. Mais bon, c'est sûr qu'on a plus le, le schéma des 20 secondes où on tape on tape au pied. Je suis d'accord, quoi. Mais euh, mm -hmm. mais euh, comme il y a plus de séquences, je trouve que la, la France c'est une démonstration énorme, c'est-à-dire que le nombre de points marqués par rapport à nos entrées dans les euh, dans les vingt bah c'est en sont dramatique. Okay, hein. Ah, une info qui vient de tomber une info, info rugby. Euh, féminine ouais. Caroline Drouin et Rose Bernadou sont forfaits pour le, le début merde. du tournoi merde merde Lilou Graciet et Cocoline Delof sont appelés ok mais euh... mais Arbez le... le elle a arrêté le rugby ou a... j'ai je, je, pas suivi un truc elle est blessée il y a un truc je sais pas du stade bordelais Attaque française peu efficace. Ouais, il y a eu un vrai problème à ce niveau-là. Euh, ce qui m'a rassuré contre les ah Anglais, bah oui. c'est qu'on a réussi à sanctionner. Euh, tu vois, on a mis euh, le, le contre, le premier essai de, de Nolan Le Garec. C'est clairement un contre qu'on a, qu a réussi, un turnover, ballon de turnover. On n'arrivait même plus à exploiter ça contre les Italiens. Donc à un moment donné, tu vois, il y avait un vrai problème. Là, au moins, on s'est rassuré là-dessus. Euh, mais c'est vrai que pendant beaucoup, mais je trouve aussi qu'il euh, y a eu des grosses séquences. Euh, bah, les Gallois, les Irlandais, les Irlandais, ils ont des grosses séquences sans, sans mettre de points, tu vois. Et comme les Irlandais en plus vont tout le temps en touche, tout le temps en touche, tout le temps en touche, ben il y a des moments où, où je pense qu'il faut savoir prendre les points. Et à ce petit jeu, je trouve que l'équipe qui a été la plus habile dans les entrées, sorties, de... et, et je repars avec des points, c'est les Anglais. Euh... Ben, J'allais te le dire, mais c'est super intéressant les Anglais. Moi, je, je trouve que c'est vraiment ultra intéressant euh, ce qui se passe du côté de, de l'Angleterre parce que. Donc vous l'avez compris dans ce que je vous disais dans les stats un petit peu, un petit peu élaboré enfin un petit peu, euh, ils appellent ça spécifique. Euh, donc c'est l'équipe qui avance le plus par prise de balle, c'est l'équipe qui, euh, qui était la plus efficace ballon en main, et c'est l'équipe qui a fait le moins de off-load du tournoi. Pour vous donner un ordre d'idée, l'Ecosse a fait 47 off loads dans le tournoi, la France 45, l'Angleterre 18. Trois fois moins quasiment Enfin, la différence, elle est, elle est gigantesque. 18 offload à 47, et pourtant les Anglais avancent plus. Alors, comment on l'explique ça Comment on l'explique Parce que physiquement, ils étaient prêts. Je pense qu'ils étaient très bien préparés, les Anglais, honnêtement. Et, euh, et c'est quoi un offload qu sont... Un offload, c'est quand c'est ouais. une passe après contact. C'est quand, en gros, t'es en train de te faire plaquer et t'arrives à sortir le ballon. Voilà, voilà. c'est ça. Et à faire jouer à le faire ballon, que le passe, ballon soit toujours euh... vivant. Qui en fait, ça permet d'assurer la, la continuité de, de, du, du mouvement du ballon sans, sans passer par le sol. Et, euh, et l'Angleterre, c'est 18 offload, flot, l'Écosse, c'est 47. Et, et en fait, ce que, moi, ce que je trouve beau, <laughs> c'est bizarre de dire ça, ce que je trouve beau du côté anglais, wow. c'est qu'ils ont l'air en phase avec leur projet de jeu. Vraiment en phase. Mais en fait, ils ont construit petit à petit le projet. Tu vois, ils ont mis les pierres petit à petit. Tu vois, la Coupe du Monde, c'est vraiment hein, du déni de jeu. C'est un enfin, je chier sur euh, Borswick, hein. Non mais en fait on chiait sur Eddie Jones parce qu'il sélectionnait pas les bons joueurs. Et je suis désolé euh, Dombrant et, et, et compagnie. Euh, je suis désolé, c'est dramatique tu vois. Euh, et... et quand ils commencent à mettre leurs bons joueurs, <laughs> même si je trouve qu'ils mettent pas encore l'intégralité de leurs bons joueurs, mais tant mieux. Mais ça commence quand même. Ça commence. Ford, moi je le reconnais pas. Ford il est trop fort, mais Ford il a toujours été trop fort dans un système comme ça. Ford c'est le meilleur 10, ça a été le meilleur 10 de. Moi je le disais genre, Ford c'est. Enfin, c'est mon avis. Euh... Ford, plus fort que Farrell. 200 fois plus fort que Farrell. Mais Farrell, bon bah c'était l'icône quoi. Donc il fallait mettre Farrell, putain. Merde on le met 12, maintenant bah, c'est devenu une porte de saloon, qu'est-ce qu'on fait Ah bah on le met 10 alors bah super, il va mettre des gros plaquages bien à l'épaule, bien à l'ancienne, bien old school et ça va être super intéressant. Ford vraiment. Tu sais ce qui lui manque, Ford c'est juste une gueule quoi. C'est. C'est un PNJ Ford, mais un putain de PNJ trop fort. Mais chose zéro charisme. <laughs> Donc du coup les mecs ça pue J'ai vu, j'ai vu un gars dire sur Twitter hier, c'est un Simps. Ben ouais, c'est un, un, Monsieur Tout le Monde en fait. <laughs> Sauf que rugbystiquement, il, il est loin d'être Monsieur Tout le Monde. <laughs> Ford il est vraiment, euh, je trouve que, je trouve que c'est le, c'est l'élément déterminant de cette équipe. Tu vois genre, il y a Earl qui a apporté énormément de certitude devant. Euh, le repositionnement de Chesson, je le trouve très 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 intelligent pour donner du temps de jeu à Martin, qui est en train de monter très très fort. Euh, après derrière l'installation Mitchell, on en reparlera parce que je sais que tu as bien aimé aussi son, son tournoi. On moi, en parlera. Moi j'aime bien son tournoi, Alex Mitchell. Et mais Ford, je suis désolé, c'est vraiment le maître à jouer. Enfin, tu vois pour moi il met, il met il met une distance à Marcus Smith, à Finn Smith, mais, euh, mais mais même tu vois Farrell là, il a dit non, mais tant mieux pour lui. Mais il leur met une distance à tous. Hein. Enfin, il est juste, il est emmerdant. Son jeu au pied, c'est ce, qui... ce qui les maintient en vie. Hein. Première mi-temps, euh, on... et... bon, mi tu et vois, Chesum, on joue C'est un deuxième ligne ou c'est troisième ligne bah, C'est les deux, mec. C'est le rugby moderne. <laughs> c'est un 6, franchement, voir. un 6, ça me va. Moi, Chessum, je, trouvais... je trouve que là, vraiment, euh... est... il est impressionnant. Il est très impressionnant, Chessum. Est-ce que qu est Smith n'est qu pas fait, devenu en fait le joueur adverse le plus détestable au monde oh, oh, il a... Moi, je le déteste pas, Marcus Smith. Je déteste pas honnêtement. Mais en tout cas, l'espèce le... le les... de, de petite série qu'ils sont en train de nous faire entre Smith et, euh, et Ramos me plaît beaucoup. Moi personnellement, euh... j'ai envie de voir l'épisode 3, quoi. Franchement. Euh... Ah, le petit Toulouse Harlequin, suivi du petit France-Angleterre, France, euh... France -Angleterre, il le charge en l'air, il lui frotte la tête. Euh... On a envie de voir l'épisode 3 de cette histoire, quand même, d'amour, hein. quand même. On sait comment ça va se finir. Voilà. Ils vont partir au Canada tous les deux, ils vont prendre une, un une, une, question. une, une maison bord du lac. Je sens que tu vas me régaler, mec. Sur qui le CRC, euh, le Canada Rugby Club, va faire un, un, un reportage dimanche d'après toi Côté équipe de France bah Sur Léo Barré Bah, mec, c'est. <laughs> mec <rire> Mec J'en étais sûr Je savais que t'allais dire ça Il a été formé à Versailles et son père. Mec, tu, tu, tu connais l'histoire de Léo Barré Mec, oui, genre. Je, je Léo Barré, son est père, Chevreuse. Il est de Chevreuse à la base. Son père. C'est, il tient le pub au Paris, à Versailles. Où est-ce que je fête tout le rugby depuis que j'ai 18 ans, pour pas foutre dans la merde C'est au Paris, mec. Son Daron, je le croise depuis que j'ai 18 ans. J'en ai 38. Donc en fait, son, je dis pas que son Daron c'est mon pote. Je, je mets, je le connais. Et, et cette famille-là, c'est l'humilité numéro une. Mais oui, on va voir. Euh, des putains de trucs le stade français nanana son club ouais il est passé par Massy hein. mais son club c'est Versailles en fait son club c'est Versailles c'est un pur Versaillais c'est Versailles jusqu'à jamais et son père c'est un tenancier du meilleur pub de Versailles tu vois c'est ça la vérité c'est trop bien tu vois l'esprit est trop bel mais oui bien sûr que le canal, le, le canal rugby club ils vont faire allez vas-y oh, oh, oh c'est le nouvel <laughs> coqueluche oh <laughs> hey, soit lui soit Nolan mais Nolan ils, ont, ils en ont déjà mis un peu ils en ont déjà mis un peu c'était deux porteurs il y a deux semaines c'était deux portes il y a deux semaines, mais tu sais, comme il a fait des matchs... Enfin, il a, fait, il a fait ses matchs. Il a été en difficulté. Bah ouais, niveau international, bienvenue. Il a pas traversé le terrain, tu vois, comme il fait contre Pau ou, euh, ou Bayonne. Trop bizarre. Trop bizarre. Donc les gens sont donc les gens disent... Non mais attends, pourtant le top 14, c'est le meilleur championnat du monde, c'est le niveau international. Je, com bah je comprends pas, c'est trop bizarre. Attends, tu traverses pas le terrain comme quand, comme quand tu fais contre le MHR. Euh, pourquoi bah, Ah, c'est l'Angleterre en face. Bah alors, c'est le maillot bleu sur les épaules. Bah c'est bizarre. Bah c'est bizarre. Bah ouais, bah, bah oui, bah oui, il traverse pas le terrain, il fait pas pareil, il joue 12 déjà, il a d'autres responsabilités, il a une pression, ça arrive plus vite, les choix euh, t'as moins de temps pour faire les choix donc forcément t'es en difficulté. beaucoup moins d'espace quand t'es 12. Et voilà, mais il, il fait, moi je trouve qu'il a été propre, mais il a pas pu se traverser le terrain que Danti, il a pas pu se traverser, voilà, il a fait son taf, il a fait il a fait des erreurs défensives comme, euh, comme d'autres, euh, euh, voilà, et tout, tout n'est pas bleu, mais bon, en même temps il est tout jeune, hein. enfin, je veux dire, les joueurs, tu sais. Euh, c'est pas pas Zidane tout de suite quoi. C'est pas Antoine Dupont tout de suite quoi. Antoine Dupont n'a pas été Antoine Dupont tout de suite aussi. Euh, sur ce Dans le match, bon défensivement, bon bien évidemment, c'est un petit peu fait, euh, c'est un petit peu oh fait oui. à, certains, à certains endroits. Mais en fait, je trouve que bah, les des... deux équipes terminent à 80% de réussite au plaquage. Donc c'est quand même en dessous de, du standard international hein, pour les deux. Sean Edwards qui a donc déclaré. Euh, Sean Edwards a dit ce soir, c'est probablement notre pire performance défensive depuis 4 ans. Euh, notre attaque nous a sauvés mais pour gagner d'autres trophées, ça ne suffira pas. Sean Edwards très très en colère, très Sean Edwards pas heureux de pas heureux du match. Hein. Non mais attends Sean Edwards Sean Edwards ça fait con... Enfin c'est quoi le projet en fait de la défense des Bleus Est-ce que c'est toujours cette roche défense Est-ce bah, que mais... ça reste un spécialiste de la roche défense Non mais tu t'adaptes en fait. Est-ce que c'est ça le projet tu t'adaptes, ah, je suis d'accord, tu t'adaptes, mais est-ce qu'on s'adapte depuis deux ans Depuis que les gens ont compris qu'on faisait de la rush défense, qu'est-ce qu'on a fait qu qu on, Comment on s'est amélioré bah, En fait, la défense, elle est moins agressive. Sauf. enfin elle, elle oppresse moins. Elle monte, elle monte fort, elle coupe les extérieurs, mais bah, elle, elle oppresse, elle oppresse même, moins. Hein. Attends, je suis en train de préparer des trucs. Euh, J'avais que... fait deux, trois autres stats que je peux vous de, euh, balancer dans la gueule. Euh, dans euh, la gueule, je ton L'Italie a fait 972 plaquages dans ce tournoi à Destination. Oh, euh, la deuxième meilleure équipe c'est l'Écosse qui en a fait 180 de moins. Donc il y a un, un écart monumental. Il y a un joueur italien euh, qui a fait plus de 20 placages par, par match. En moyenne, c'est Michele Lamaro. 103 placages en 5 matchs. Voilà. Euh, c'est quand start. même. Euh, c voilà. C'est assez solide. Euh, et puis tiens, je me suis amusé, euh, mais du coup, euh, je vais te prendre au dépourvu. J'aime bien quand je te prends au dépourvu. Vas-y, mec. mec vas-y, vas-y. Bilan du tournoi par nation. Tu dois faire une phrase. Je peux te montrer la défense et je te fais Irlande. ça. Irlande. Vas-y. Euh, je, je te montre juste la défense et après je te dis je te dis ça. Euh, tu sais genre, on disait ouais euh, Jalibert c'est pas défendre et tout voilà bon en fait c'est pas Jalibert c'est juste que les dix souvent savent pas défendre. Et donc du coup. Euh, euh, <laughs> tu parles en tant que. En tant que 10. <laughs> Je <laughs> suis très très bien au fait. Donc en gros, euh, euh, Ramos, il est avec, sa, il est avec son, son garde du corps Aldrit pendant tout le match, souvent, comme Jalibert avec son garde du corps, etc. Tu as deux options, soit tu le décales en 13, soit tu l'assumes au centre du terrain. Euh, ce qui est assez marrant, c'est que souvent quand on nous apprend à défendre, quand on est plus petit, euh, on veut former une ligne hermétique et donc personne ne sort de la ligne parce que quand tu sors de la ligne, tu crées des brèches euh, dans lesquelles les défenses, euh, les attaques arrivent à s'engouffrer. Euh, comme Ramos. Est moins fort en défense qu'un Aldrit ou un Deporter etc il monte en sprint il se désolidarise de, de la ligne et c'est lui qui vient un peu euh, euh, disons qui vient au rendez-vous avant, avant que bah là je crois que c'est ça c'est Oli Smith euh, c'est Oli Lawrence pardon avant que euh, que Oli Lawrence lui rentre dans la gueule il se dit bon je sens que tu vas m'inviter j'ouvre déjà la porte je suis déjà préparé je me suis maquillé je me suis fait belle euh, allons-y gaiement au rendez-vous je suis là je suis là n'attendons plus bon il y va et, et il faut noter quand même que la fourberie dans un match elle est délicieuse c'est que regardez le, le bon le bon Underhill le bon Underhill il est au soutien tu vois mais re regarde où il est il est déjà devant le contact est là il ne s'intéresse pas du tout du ballon là il y a Ramos-Lawrence Underhill il est là il vise qui il vise, il vise tout de suite le soutien le, le, le garde du corps il vise le garde du corps ça va très vite boum il se, il se cogne dans Cross. Petit croche-patte. Cross tombe. Lui aussi tombe. En tombant. Oh bah tiens, si je faisais un plaquage à Aldrit. Aldrit, du coup, il est, il est retenu. Il est plaqué. Et donc, quelques mètres plus tard, on se retrouve. Mais qui manque la dernière slide. Et du coup, bah, Aldrit, complètement désolidarisé. Et euh, où est-ce qu'on se retrouve bah, Je sais plus où elle est, la, la dernière slide. Mais en gros, bah, tu te retrouves hyper loin, près derrière. Euh... Avec euh, avec euh, Lorenz qui, euh, qui est parti qui est parti et qui a avancé et donc Ramos qui est tout seul à l'arrêter quoi bien de terrain euh, 20 mètres mais ça c'est travaillé ça ça c'est travaillé ça ça c'est travaillé suppression des soutiens offensifs comme défensifs c'est à la limite c'est à la limite mais let's go et ça moi je, moi ce, cette séquence là je dis bon ok nous on a un système défensif on monte fort euh, le 10 monte fort parce qu'il sait qu'il va perdre du terrain donc plus il monte fort moins tu perds de terrain moi, je trouve que c'est une logique défensive qui s'entend. Euh, du moment que tu es au courant, euh, droite et gauche. Et donc, du coup, après, les deux autres doivent, euh, doivent absolument euh, arriver vite pour euh, le protéger et puis faire tomber, l'aider à le faire tomber, quoi, tu vois. Parce qu'en gros, le 10 ne fait pas tomber, il, il ralentit le TGV, concrètement. Et euh, tu penses que Wardleby peut légiférer, peut légiférer dessus Je sais pas, je vois beaucoup d'équipes utiliser ça, la France comme les autres, hein, on n'est pas en reste, sur euh, que ce soit offensivement ou défensivement, aller euh, attaquer le soutien. Euh, de, de, du, du joueur d'en face quoi donc euh... moi pour moi euh, la loi elle est déjà là quoi t'as pas le droit de plaquer un joueur qui a pas le ballon point barre pour moi l'underhill il peut se faire sanctionner mais c'est invisible l'arbitre il est il est sur le, le contact euh, Ramosoli tu vois donc euh... donc voilà euh, donc maintenant tu voulais que je te dise des mots qu'est-ce que tu voulais que une dise phrase une phrase une phrase par nation par exemple moi je dis l'Irlande impressionnante finalement inquiétante waouh moi, je dis, il faudra du temps pour l'Irlande. Il faudra du temps Apprendre ce qu'il faut apprendre. Ouais, il leur faudra du temps. Il leur faudra du temps. Euh, okay. Tu remplaces pas, tu remplaces pas ton maestro comme ça du jour au lendemain. Et clairement, le dernier match de Crawley euh, et le match contre l'Angleterre de Crawley est, est, est plutôt moyen. Est plutôt moyen. Et je trouve que Crawley, c'est normal. Hein, ça, ça revient à ce que j'ai dit euh, avant sur, par exemple, de porter. C'est un jeune joueur. Il ouais, a met du trouvé, temps. Euh... De moins en moins euh, sereins les, Anglais, les Irlandais. Hein. Match après match, euh, franchement, là, pff, ce, ce week-end, il, est... il est quand même pas extraordinaire. Il y a quoi. beaucoup enfin, de personnes euh, qui disent veux... qu'ils n'arrivent pas à enchaîner les matchs de haut niveau. Moi, je suis pas trop d'accord avec ça. Ouais. J'ai l'impression qu'ils sont quand même. Mais ça peut s'entendre. Enfin, moi, j'ai pas cette opinion-là, mais je, co je comprends ta vie. ta vie. par exemple, sur la France, tu dirais quoi Sur la France, Pfff, sur la France, euh, bah, on y retourne, quoi. On repart. Euh, je sais pas, c'est un coup d'arrêt terrible, en fait. Moi, je moi, suis. Vois... Moi, tu vois, euh, à, à chaud, j'en rive, il me demande euh, un mot sur le tournoi. Bah moi je dis déçu. Moi, je moi, suis déçu de ce tournoi. Je peux pas être autre chose que déçu. Oui, il y a du mieux, mais moi je voulais qu'on gagne le tournoi, en fait. Je voulais qu'on gagne la coupe du monde, on ne gagne ah, pas ouais, la coupe du monde, je voulais qu'on gagne croyais le tournoi. Pas une... cro... croyais pas une seconde de... Moi, je peux que être déçu par rapport à ce tournoi par rapport aux au 15 de France. Mais moi je suis pas déçu. Hein. Maintenant, ça va mieux, quoi. Ça va mieux et moi, ça prendra du temps aussi. c'est bien. Moi, tu vois, j'avais écrit d'abord malade, puis vers la guérison. Thérapie que, collective euh, je dans pense le chat. Que... Ouais, ouais, bah oui. Non, mais c'est ça. Ouais, je suis d'accord. Euh, Rugbalous, euh, exact. Thérapie collective. C'est comme ça que je le vois. L'Angleterre, par exemple, c'est quoi En progression. Attention. Moi, j'ai mis à retrouver son identité. Ah, je suis en train enfin, de. C'est l'Angleterre que j'ai que j'ai toujours euh, vu quand j'étais gamin j'ai l'impression moi je trouve qu'ils sont de retour. ils sont encore faibles entre guillemets Alors, je dis pas ils sont au niveau mais je... dans leurs je... idées je, je le sens ouais ouais mais je trouve que devant devant ouais. ils... ils sont encore assez légers tu vois euh, ils ont pas de ils ont pas euh... moi je trouve que leur première ligne elle est enfin tu vois tu compares notre première ligne la première ligne de l'Irlande euh, et j'irais même chatouiller en disant la première ligne de l'Italie pour faire chier euh, et pourquoi pas la première ligne de. Tu vois, en gros, je sais même pas si je le mets pas. Juste leur première ligne. Hein. Je sais qu'il y en a beaucoup, qui Gange et tout, et je respecte ça. Mais moi, Jamie George, euh... Stuart, Dan Cole et tout. Même si franchement, il fait la main, mais bon, euh, il a 48 ans, le mec. Euh, je suis en mode. Bah... Mais Jamie George, quel... il a... il... c'est quoi C'est le troisième meilleur talonneur de... du tournoi destination. Mais Je le mets derrière Nicotera, derrière Turner, derrière Furlong, derrière Kelea, derrière Movaka, derrière Marchand. Franchement, mais, je, mais je, je crois que je suis même pas je suis peut-être euh, aveugle Mais hein. moi vraiment, je trouve que Jimmy George, tu le vois, tu le vois faire des choses dans un match, tu le vois gratter un ballon, tu le vois tu le vois, vois être actif qui, à et... des moments, tu le vois tu le vois être une menace. Si face à l'Irlande, il a été pas mal mais Ouais, bon, 20 minutes bien sur, euh, sur, euh, il est capitaine quoi. Je le déteste pas, je trouve qu'il est je trouve qu'il est pas bon, je trouve qu'il a pas le niveau international. Mais je suis désolé, moi je le vois pas dangereux dans un match. Tu sais, les talonneurs, tu les vois dans les matchs, hein c'est un capitaine ça? Bah pour moi c'est pas un capitaine. Tu sais pourquoi il est capitaine Il est capitaine parce qu'il est gentil. C'est ça la vérité. Il est capitaine parce qu'il est gentil, mais c'est même pas moi qui le dis, c'est une déclaration. Ouais, euh, euh, Farrell il est un peu dur, donc euh, du coup on a mis Jamie George, qui est une bonne patte. Euh, parce que comme on doit euh, faire un renouvellement de personnes, bah comme ça les jeunes ils sont moins euh, brusqués, quoi. Bah c'est bien, on les cajole, les cajolez-les. Bon. Après, euh, après euh, l'Angleterre est en progression, et attention, parce que s'ils commencent à mettre les, les, les meilleurs joueurs. On en parlait, hein, la troisième ligne anglaise. Euh, par contre, euh, à contrario, elle, elle commence à, à titiller de gros, très très haut niveau. S'ils osent nous mettre un Chessum, euh, Ben Earl en 7, parce que Underhill, bon, ça va bien 5 minutes, mais arrêtez les conneries. Et ils nous mettent un Mercer ou un Simons, euh, ou un. Hein, T'imagines, ils récupèrent un Willis. Imagine, ils ont un Jack Willis en 7, Chessum en 6, Earl en 8. Et ta Mercer sur le banc ou t'as Simons. Mec, ils ont vraiment du matos. Hein, si vraiment, ils n'avaient pas leur règle de. Euh, de, 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 de ne pas sélectionner les joueurs à l'étranger. Et, ouais. Et par exemple, sur l'Ecosse, tu dirais quoi Cunningham aussi, c'est incroyable. L'Ecosse, bah. L'Ecosse. Euh, L'Ecosse. Euh, ouais, plus de frissons. Fin du prime. Plus de frissons. Fin ah, du ouais. prime pour l'Ecosse. Plus de frissons. Hum, L'Écosse ah, est tributaire de, de. Ah, pourtant, tu vois, il y a Jack Dempsey, euh, euh, Christy fait pas un mauvais truc, euh, Darge est bon. Euh... En fait, ils ont des bons joueurs, mais pour moi, ils ont atteint leur prime et, et ce qui les a tués, c'est leur poule, le tirage au sort avec une poule monstrueuse à la Coupe du Monde. Et ils ont fait ce qu'ils ont pu et... et malheureusement, les Écossais sont, sont... vont toujours nous faire vibrer, tu vois. Je pense que le frisson, on l'aura toujours avec l'Écosse. Moi, moi je l'ai plus. Moi je l'ai pas. T'as eu... as, as frissonné toi ah, Écosse-Angleterre, Écosse, c'était pas mal, Écosse anglaise, c'était pas mal contre nous. Ouais, contre nous, bon, nous, on était mais malade contre mais... nous. il n'y a pas de frissons. Contre l'Irlande, il n'y a pas de frissons. Enfin, tu vois, il y a moins de frissons quand même. Je trouve qu'il y a moins de frissons, il y a beaucoup plus de joueurs au pied, il y a beaucoup moins de, de ballons remontés à la main. Alors, OK, <laughs> c'est peut-être un projet global, mais je ne sais pas, y a moins de frissons. Tu vois, me fait moins plaisir à, à, à regarder cette équipe. Mais Il y a un côté aussi, euh, euh, t'es tributaire d'un seul homme, quoi. L'Écosse sans, sans Finn Russell, j'ai hâte de voir, mais enfin, j'ai pas hâte de voir du coup. Parce que c'est parce que le joueur génie, vraiment, c'est un génie, vraiment, il est trop fort. Il met les mecs dans les meilleures dispositions, je vous jure, il est incroyable. Je trouve trop fort, son jeu au pied les maintient. Alors, bien évidemment, il y a King Gorn et tout qui a fait un super tournoi quand il a pu jouer. Euh, il a fait grave du bien et tout, et ça fait grave plaisir. La formation toulousaine au top, encore une fois. Ah mais C'est vrai, c'est vrai, franchement, il a fait un très bon tournoi. C'est bon, bon, bon. depuis qu'il est à Toulouse qu'il est bon. Euh, depuis qu'il est à Toulouse, est franchement, c'est plus le même homme. Euh, mais pff, ouais, je suis un peu triste parce que parce que j'aime bien l'Écosse, mais je vois trop de je vois trop de je vois je vois tu vois genre la France on n'était on pas bien et on va aller vers le mieux. L'Angleterre ils vont aller vers le mieux. L'Italie ils vont vers le mieux. L'Irlande même s'ils descendent ils sont toujours au-dessus. L'Italie tu, tu mets où le curseur La génération ou le taf de Quessada euh, Le taf de Crollet qui est repris par euh, le les en gros, je pense que le taf de Crollet, plus le management humain et le tacticien de Quesada, tu vois, genre, du talent en plus, plus Quesada qui appelle des nouveaux gars. Espagnolo, des, euh, des, euh, des Vincent, des euh, Isidore, de de Pag... euh, des Pagerello. Le... Ah, même s'il si était un de Pagny, petit peu là il, est... Pagny, Pagny de... il a été excellent. Pagny très fort. Très très fort, Pagny. Et, euh, voilà. Et puis après, après il s'appuie sur euh, Menoncello Brex euh, qui avait déjà été installé par euh, Crollet. Euh, Et ça, c'était une super idée de Crowley, pour le coup. Hein. Bah, repositionner Menoncello, c'est la meilleure idée. En fait, c'est ah la meilleure ouais. idée. Ça a stabilisé ah, ça derrière. taf ah, de la Fédé, ouais, vous avez raison dans le chat. La taf de la Fédé qui a, ouais. qui a, qui a, qui a fait énormément de développement pour les, pour, les, pour, les, pour les jeunes. L'INAC le aussi, Bénéton, voilà, le, font, le nouveau. extraordinaire. Hein. Oui, Crowley a construit, énorme, mais Quesada doit savoir récolter les fruits. Ce tournoi a su faire exactement, Jean Bignou. Je suis... En fait, c'est un peu le sentiment que j'ai. Genre, si c'est pas ce que j'ai dit, c'est le sentiment que j'en ai. Euh, Quesada a su récolter les fruits. Il aurait pu. Euh, voilà. Et il a apporté sa touche. Il a apporté son truc. Donc, ouais, l'Italie en progression. Moi, j'ai hâte de voir. Franchement, j'ai hâte de voir l'Italie la saison prochaine. Et je vais te dire pour revenir sur l'Ecosse, là où je suis inquiet, c'est que leur tournée d'été, ils font États-Unis, Canada, Chili, Uruguay. Alors, j'aime bien hein, le délire T1 versus T2. Tier 1, tier 2, tier 3 rugby intérêt de cette tournée, ah, tu vois, euh, pardon, mais bon après voilà. Euh... Et le Pays de Galles, c'est quoi C'est descente aux enfers ou tu penses qu'ils peuvent, euh... ils sont vraiment au bout là, au fond Ah Pays de Galles, c'est nouveau cycle, quoi. let's go. Après le Pays de Galles, c'est un Pays de Rugby, donc euh... mmh. donc ils y arriveront. Il faut, il enfin, faut. Un pays de Rugby où il y a quatre, il y a quatre, quatre clubs professionnels. Quand même. Ben, ils en parlent en fait de ça sur le fait de peut-être passer à trois clubs. Voilà, je sais pas, moi je suis pas assez armé pour avoir. Et quatre pour... mauvais clubs professionnels. bah ben, là, est... là je voyais la stat, c'est-à-dire que. On est pour le moment peut-être pour la première année où va y avoir un club italien au-dessus des quatre clubs gallois dans le championnat. Ce serait la première année. Donc, ouais, c'est compliqué. Les U20, c'est compliqué. Euh... Écoute, euh... Écoute, le pays de Galles a besoin de. Ils ont besoin de nouveaux joueurs, ils ont besoin, ils ont besoin de vent frais, ils ont besoin de, de se reconstruire. Ils ont... voilà, plus... Il faut digérer le fait de ne plus être une très grande nation mondiale et de retourner dans le. Dans les nations qui gravitent autour, et d'essayer de s'en sortir, quoi. Pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est ça.